Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah là, la CEDEAO, c'est du respect. Oui, l'organisation des responsables, trop c'est trop. À bas les putsch sur le continent africain, surtout en Afrique de l'Ouest. Je vous ai dit, les putschistes, c'est des bavards. C'est des bavards. On est prêt à affronter, à faire ceci, cela. Je vais vous faire juste écouter cette vidéo. Vous allez voir les putschistes. Voici une des vidéos des putschistes. Voici ce qu'ils sont en train de montrer. Que non, ils sont prêts. Voilà. Et après la rencontre des chefs d'état-major des pays de l'Afrique de l'Ouest, voici la rencontre des putschistes, des chefs de... Aïe, 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 aïe. Ça, c'est ça. Voilà. Ça, c'est l'avion des putschistes. C'est ce que les putschistes sont en train de montrer qu'ils sont en train d'impressionner quelqu'un. Vous êtes en train d'impressionner qui? Avec vos vieux machins là, que vous allez impressionner la CEDEAO. N'oubliez pas que les États-Unis, l'Europe, tout ceci soutiennent la CEDEAO. Vous êtes en train de faire, c'est-à-dire, ça fait pitié. Hein? Bon, heureusement, la CEDEAO, c'est l'organisation des responsables. Ils ont envoyé une dernière médiation. S'ils ne comprennent pas, la force est déjà activée. La force est déjà activée. Vous-même, vous faites pitié. Hein? Vous n'avez pas fini avec les terroristes. Hein? C'est ce Ah! Non, les putschistes, c'est les comédiens. Les patriotes. Les putschistes disent qu'ils sont prêts, qu'ils attendent toute personne. Non, les gens, c'est des vrais comédiens. Vous avez des djihadistes dans vos pays? Vous avez des djihadistes aujourd'hui qui sont en train de récupérer des terrains. Voici des guerres légitimes à vous que vous devez mener. Non, les djihadistes là, vous n'êtes pas des hommes. Que non, si la CEDEAO vient, malgré qu'on vous dit, le monsieur n'a pas été élu. Des bandits ne peuvent pas venir faire des coups d'État et parler de la libération de l'Afrique. On va continuer dans ça. Un, deux, trois, quatre. Vous voulez déstabiliser l'Afrique de l'Ouest? À bas les putschistes. Si c'est ça, si c'est ça votre force, c'est ce que la Russie vous a donné. Poutine n'a pas fini avec, Poutine n'a pas encore fini avec l'Ukraine. C'est Poutine qui va vous donner des armements. Poro, j'ai dit encore poro, j'ai dit encore poro. J'ai dit encore, poro, quand ils vont activer là, c'est là que vous allez comprendre que déjà, c'est Bush, il n'y a rien. Kadhafi était l'homme, je peux dire, le président le plus riche. La Libye était en avance. Mais, si vous voulez faire face à tout le monde, là, il y a problème. Hein? Vous n'avez absolument rien compris. On vous a donné la chance de sortir par la grande porte, mais comme si c'est pour dissuader les gens que vous êtes prêts. Voilà, on est enfin prêts. Bon, dans tout ça là, je veux savoir pourquoi Mamadou Doumbouya n'a pas envoyé son ministre de la Défense ou bien son chef d'état-major. Pourquoi, comme on dit, alliance des putschistes, alliance des putschistes là. Pourquoi Mamadou Doumbouya? Pourquoi Mamadou Doumbouya de la Guinée là?
Il n'est pas dedans. Pourquoi la Guinée n'est pas citée dedans? On dit les trois pays. Attendez, je vais voir. Vous allez écouter. C'est des comédiens, quoi. Insidiao. Bon, écoutez, hein. Aujourd'hui, comme un vœu. Écoutez, hein. Écoutez ce qu'ils disent. Le Burkina Faso mutualise leurs forces avec celles du Niger contre toute forme d'agression. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger mutualisent leurs forces contre toute sorte d'agression au Niger. Mais pourquoi vous ne parlez pas du putschiste de la Guinée? Je vous ai dit, les putschistes du Mali, les putschistes du Burkina, eux, ils ont compris que Mamadi Doumbouya est un traître déjà. Que lui, c'est un pion. Que lui, c'est un marionnette. Je vous avais dit depuis le début, je vous avais dit que Mamadi Doumbouya, lui d'abord, il allait être démasqué. On dit plus le singe monte haut, on voit son derrière. Donc les putschistes de Conakry, là, eux, c'est déjà compris que c'est des bandits, qu'ils sont venus enlever le président Fakonde, ils ne l'avaient pas enlevé. Nous, maintenant, c'est tous les putschs, on ne veut pas. Putsch égale putsch. Putsch égale putsch. Coup d'état égale coup d'état. Attendez, je vais bloquer un maudit qui est là d'abord. Parce que vous allez écouter la vidéo vous-même. Voilà. Voilà. Je viens de régler quelqu'un. Nous, on n'insulte pas. Nous, on dit ce qu'on a envie de dire. Tranquillement, tranquille. Voilà. Écoutez. Hein. Contre toute forme d'agression contre notre pays. À travers ce déploiement du vecteur aérien dans notre pays, le Mali... Des avions de guerre que la Russie vous a donné. Des avions de guerre fatigués. Fatigués. Vous allez monter et ça va finir. Vous allez... Non, les gens là... Association... C'est pourquoi j'ai dit association des pauvres. Je ne suis pas dedans. C'est la peine. C'est les peines qui augmentent. Association des pauvres. Je ne suis pas dedans. Association, je préfère rester seul, régler mes... Mais association de pauvres, qu'est-ce que le Burkina va donner? Vous n'avez même pas de munitions pour lutter contre les terroristes. Qu'est-ce que le Mali va donner? Vous n'avez pas de munitions, les gens souffrent. Quelle nourriture le Burkina va donner au Niger? Association de pauvres, je ne suis pas dedans. Voilà. Association de pauvres, je ne suis pas dedans. Association gagnant-gagnant, je suis dedans. Mais association perdant-perdant, le peuple que vous avez, au lieu de garder, vous allez lutter contre les terroristes, vous allez venir qu'on a, la CEDEAO a décidé. L'argent là, Nations Unies donne, les puissances vont donner. Non mais c'est-à-dire, c'est tellement ridicule ces gens-là, c'est des comédiens. Ah! Pauvre, pauvre! C'est pas peine qui va augmenter. Mon ami, si je savais, je n'allais pas rentrer dans ça. Mais voilà, on est rentré dans ça là. Voici, on n'a pas terminé avec les djihadistes. Vous serez des perdants, perdants. Parce que l'armée de ces pays-là, ils vont se rebeller contre vous, vos comportements bidons, ils vont ramener le pays à l'ordre constitutionnel. Des avions vieux. Vous, la personne dont vous partiez, elle demandait de l'aide. Lui, aujourd'hui, il est en guerre en Russie. Ses armements sont dépassés. Ses armements sont dépassés. Et je vous ai dit, soyez des panafricanistes conscients. Vous devez vous asseoir, réfléchir. Qu'est-ce qui est bon pour l'Afrique? On doit étudier, on doit apprendre, on doit transformer nos matières premières. Ce n'est pas les autres qui viendront. Ce n'est pas vos bruits là pour légitimer le pouvoir des bandits au pouvoir. Mais comme ils disent qu'ils sont forts là, ils n'ont qu'à partir. Ce soir, c'est la dernière médiation. Ce soir, c'est la dernière médiation de la CEDEAO. Pour vous dire combien de fois la CEDEAO, c'est des hommes responsables. Ils pouvaient ne pas envoyer cette dernière médiation au Niger. Ils pouvaient ne pas envoyer cette dernière médiation. Mais ils ont envoyé dans l'intérêt du peuple du Niger. Je l'ai même dit, moi je ne suis pas pour les sanctions économiques. Je ne suis pas pour les sanctions économiques. C'est des bandits qui se sont levés, qui ont dit que non, ils sont forts militairement. Il faut des sanctions militaires. Mais les sanctions économiques, je l'ai toujours dit, je condamne. Je ne suis pas pour les sanctions économiques contre le peuple du Niger. Fermeture des banques, fermeture des frontières. Non. Vous savez où se trouvent les bandits, les palais là. Il faut bombarder ces palais là. Les bandits, il n'y aura plus de coup d'état. Mais tant qu'on laisse ces bandits se lever,
avec des histoires bidons. Ah non, l'Afrique, on a besoin. Nanani, nanana. Vos conneries là, trop c'est trop. Avec vos avions de 1960 là, vous allez faire quoi? Avions de 1960. C'est chez vous le combat. Vous allez attaquer qui? Vous allez attaquer qui? Hein? Des vieux machins comme ça. Regardez. Quand vous êtes prêts. Les terroristes là sont là-bas, vous n'êtes pas prêts. Les officiers d'état-major des trois pays se sont réunis à Niamey. Objectif. Toi qui dis que tu trahis la Guinée là, pourquoi on parle des trois pays, Burkina, Niger et l'autre, Mali. Pourquoi on ne parle pas de votre bandit de Mamadi Doumbouya? Parce qu'ils ont tous compris que le bandit, c'est un légionnaire. Le bandit, s'assoit avec lui, parler d'un plan, le bandit va donner ça aux autres. Nous ne soutenons pas ces gens-là. Mais c'est pour vous dire, votre combat-là est voué à l'échec. Co-libération de l'Afrique. Des paresseux comme ça qui ne veulent pas travailler. Vous ne voulez rien transformer. Vous allez libérer l'Afrique. Bande de paresseux. Ils ont gros cœur, ils n'ont rien. Toi, tu n'as rien, tu as gros cœur. Hein? C'est quoi ces bêtises-là? On vous dit de... Au lieu de travailler, non. Au lieu de travailler, non. Je vais vous montrer un extrait. Ça va vous donner à réfléchir. Parce que c'est des gens qui ne réfléchissent pas du tout. C'est des gens qui sont agités. Ils passent tout leur temps en train de gueuler. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de tous ces bruits-là. Tous ces bruits inutiles. Inutiles. Des coups d'état bidons. La coopération est là. Écoutez, hein. Vu que nous avons mis le chemin de la coopération. Partagez. La Côte d'Ivoire aurait pu dire, je veux une monnaie pour moi. Mais nous avons estimé que nous devons être ensemble. À 8 mois, la Côte d'Ivoire contrôle 60% des devises. 60%. Nos autres partenaires ont 10 ou 12%. Mais nous mettons tous ensemble. Et ces devises servent à tous pour leur développement harmonieux. C'est la coopération. Pas du bout des lèvres. Vous chantez toujours coopération, coopération. Est-ce que vous savez ce que c'est la coopération, hein? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La coopération, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà. Sans le général de Gaulle m'a parlé de coopération pour la première fois, je lui ai dit, général, je sais que vous voulez respecter notre dignité. C'est pour cela que vous parlez de coopération. Partagez les cœurs. Pour le moment, vous nous envoyez sur notre demande des enseignants, des médecins, des ingénieurs. En retour, qu'est-ce que nous envoyons? Rien. Écoutez, hein. C'est une assistance. Voilà. Tout le monde ne nous fait pas peur. Mais nous... Voici des gens qu'on a traités ici, qu'on s'est vendus, ils sont avec la France. Le président Félix Houphouët-Boigny, avant les indépendances, il a été ministre du gouvernement français. Mais écoutez son discours. Quand je vois ces jeunes agités qu'aux panafricanistes, quand je vois des agités qu'aux non, tu es ami avec tel, tu es vendu. Écoutez, nous... Nous sommes décidés à travailler de telle sorte que nous ne soyons pas comme la mer morte. Voilà. Que ce soit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. Voilà. Non. Demain, cette coopération doit déboucher sur les échanges. Voilà. Et voyez, un premier pas que nous venons de faire, en 25 ans, nous qui étions les derniers en Afrique. Écoutez, hein. Je vous l'ai dit, à l'indépendance, nous n'avions rien. Nous n'avions même pas. J'avais 46 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à 12 000. Vous qui parlez qu'il n'y a pas de progression. Comment un continent qui avait 46, la Côte d'Ivoire, étudiants, où il faut dire avec le travail, 12 000, écoutons, ça dit des gens agités. On n'apprend pas. Trop de tarés sur notre continent. Et on est assis dans les cafés, on ne veut rien faire. Comment on va transformer? Écoutez.
Hier, nous avons 100 en France, dans les collèges et les lycées. Aujourd'hui, il y a 240 000 qui sont dans nos collèges. Hier, nous n'avions pas suffisamment d'élèves dans le primaire. De mon village en 1910, j'étais le seul à partir au gouvernement général. Aujourd'hui, nous avons 1 million de stands primaires. Voilà donc l'évolution telle que nous concevons. Et cela doit nous permettre de coopérer. La France coopère avec nous. Et la coopération a une finalité. C'est de former des hommes capables demain de vous remplacer avec la même efficacité. C'est ce que nous venons de faire en 25 ans. Nous avons demandé à remettre à la France une partie des coopérants après avoir rendu un hommage public et mérité. Mais la coopération ayant atteint dans certains secteurs, par exemple dans l'enseignement secondaire, dans les lettres, dans la philosophie et autres, nous avons demandé à la France de reprendre cela. On les enverrait ailleurs où l'instruction n'est pas suffisamment développée. Et d'une pierre, il y en a deux coups. Nous avons eu, parce qu'ils sont moins, ils sont mieux payés que les nôtres. Et puis, les jeunes gens qu'ils ont formés, les ont remplacés. Je vais vous faire écouter tout cela. Voici le premier président de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a servi dans le gouvernement français. Un continent où il n'y avait même pas d'école, presque. Des pays où il n'y avait pas d'école. Oui, des gens se sont battus pour l'indépendance de ces pays. Des pays qui partent de zéro. Où il n'y avait rien du tout. Pas d'école, rien. D'infrastructure, rien. Ils vont c'est-à-dire pour transformer comme les autres là. Un enfant qui naît, est-ce qu'il vient avec le savoir? On apprend. On apprend. Et c'est ce qu'on dit à nos frères, ils ne comprennent pas. On essaie de les expliquer. Ce n'est pas en gueulant contre les autres, c'est en nous mettant au travail. Allez-y voir les archives, l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Mais ils sont là en train de gueuler seulement. On n'est pas contre vos rêves. États-Unis d'Afrique, Afrique unie, Afrique libre. Mais vos bêtises de détruire nos systèmes pour rien du tout. Avec des militaires ignorants. Avec des militaires bandits. Avec des militaires paresseux. Avec des militaires gueulants, ils n'ont pas de programme. Là, vous avez problème avec nous. Ce n'est pas des génies. Ils ne peuvent rien transformer. Ils ne peuvent pas vous donner de l'emploi. Rien. Tant qu'on n'arrive pas à transformer nos matières, tant qu'on n'arrive pas à faire comme les autres, le fait de dire, on pille nos richesses. Vos richesses étaient déjà là. On était pauvres. Le continent est riche. Mais vous allez transformer ça comment? C'est ça que je veux savoir. Mais des idiots n'arrivent pas à comprendre. Ils sont là, ils s'énervent. Ils s'énervent. Pourquoi je vous fais écouter? Il n'y a pas quelqu'un... On ne va pas dire que le président Oufoué n'a pas aimé la Côte d'Ivoire. Il a tout fait pour la Côte d'Ivoire. Même ses anciens maîtres, il les a dit la vérité. Le temps viendra. Les dominés vont se révolter. Et ça trouvera que ils ont appris. Nous pouvons transformer nos matières premières. La vidéo de Oufoué que je cherchais, je n'ai pas encore retrouvée. J'allais vous montrer. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, pour être premier ministre, président, il a d'abord donné l'exemple aux Ivoiriens. Demandez les Ivoiriens, les plantations de Félix Houphouët-Boigny. Et il a étudié la Côte d'Ivoire. Il a compris que c'est un territoire vaste, riche. Il a appelé tout le monde, les Guinéens, les Burkinabés, les gens du Niger, tout le monde. Les gens sont venus en Côte d'Ivoire.
Et c'est ce qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. Il a dit aux gens de se mettre au travail. Oufoué avait compris. Il faut se mettre au travail. Travailler la terre. Il a dit que la Côte d'Ivoire avait des avantages que le Burkina n'avait pas. Dans les champs de café, cacao, là. Si on enlève les Burkinabés dedans, en Côte d'Ivoire, il y aura peu de personnes qui vont rester. Parce que il était facile, bon, il est facile de cultiver en Côte d'Ivoire qu'au Burkina. Oufoué n'a pas fermé la porte à quelqu'un. Il a dit à tout le monde de venir. Tout le monde. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens qui peuplent la Côte d'Ivoire, la majorité, c'est des étrangers. La majorité de la population ivoirienne aujourd'hui, on peut dire que c'est des étrangers. Lui, il ne s'est pas tapé la poitrine. Il ne s'est pas tapé la poitrine. Malgré que vous disiez que non, il est vendu, il a mis avec les autres. Tous ses amis de la sous-région, il les a tous dépassés. Sur tous les plans. L'éducation, il les a dépassés sur tous les plans. Ceux qui ont crié, ceux qui sont rebellés. Parce que face à une situation, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui savent se calmer, gérer la situation. Il y a d'autres, eux, ils s'excitent. C'est quand c'est gâté maintenant, ils viennent s'asseoir pour dire « si je savais ». Donc, nos leaders, dès après les indépendances, qui se sont mis à se révolter, regardez leur pays aujourd'hui. Regardez ces pays. Et ceux qui ont accepté de travailler en harmonie dans leur propre intérêt. Parce que, quoi qu'on dise, Oufoué Boigny, il a fait ce qu'il pouvait faire pour la Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens, ils sont reconnaissants envers ça. Tous les partis politiques aujourd'hui, ou les ethnies en Côte d'Ivoire, ils sont tous reconnaissants envers Félix Oufoué Boigny. Ceux qui se sont rébellés hier, ça a apporté quoi à leur peuple? Ça apporte quoi? Et voici aujourd'hui, le continent était calme. Il y a l'évolution des choses. Je vous ai parlé du Bénin. Ce que Oufoué avait prédit aux Blancs, lui qui était ministre du gouvernement français, il les avait dit, si vous ne changez pas vos méthodes, ce n'est pas en les insultant. Il les a dit, vous devez nous aider. Cela y va dans votre survie. Oufoué avait dit ça. Au fur et à mesure qu'on transforme nos matières premières, la vie devient difficile dans ces pays-là. Parce que c'est nos matières premières qui prennent pour amener dans des usines là-bas. Et ces usines-là travaillent. Et encore ces mêmes matières premières, on nous vend encore cher. Les habits, le coton du Bénin. Mais aujourd'hui, grâce au président du Bénin, ils ont des unités aujourd'hui, des usines. Qui travaillent là-bas? Des Béninois. La valeur du coton aujourd'hui. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, le cacao de la Côte d'Ivoire, on transforme. Mais les gens n'aiment pas la vérité. On veut s'asseoir, raconter des salades. Attendez, je vais vous montrer encore une petite vidéo. Ça dit, moi, je suis dépassé. L'Africain n'aime pas la vérité. L'arrogance, il n'y a rien dedans. L'arrogance, il n'y a rien dedans. Quand quelqu'un est fort que vous, le mieux, c'est d'écouter, travailler, dans ton propre intérêt, pas dans l'arrogance. Je vais vous faire écouter cette vidéo-là. Vous allez... Moi, je suis occupé, mon frère. Moi-même, je ne savais même pas que ma vidéo était sur cette page. Voilà. Je vais vous... partager les cœurs. L'état de Côte d'Ivoire. Même le palais présidentiel ivoirien est loué à la France. Écoutez, hein. Est-ce qu'il y a un moment de gagner? Le palais présidentiel actuellement au plateau n'appartient pas à l'état de Côte d'Ivoire. S'il y a quelqu'un qui pense que je mens, je demande à la personne de prouver que je mens. J'abandonne les réseaux. Il n'y en a pas. Écoutez, hein. Le palais actuellement en Côte d'Ivoire avec la Côte d'Ivoire vitrine. La Côte d'Ivoire loue le palais présidentiel à la France. Donc, décision de la Côte d'Ivoire, le palais qu'on a, avec les micros infiltrés, la France est toujours informée. Côte d'Ivoire, porte Côte d'Ivoire. Voici des ignorants
qui sont en train d'induire les gens en erreur ou révolter les gens. Le palais, tous ces trucs qu'il est en train de citer. Avant l'indépendance. Mais quand Oufoué est venu, le travail qu'il a fait en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, ce bavard, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Voici des gens qui s'asseyent, qui racontent des tralala. L'aéroport de Côte d'Ivoire, c'est pas pour eux. Le palais, c'est pas pour eux. Nanani nanana, mais c'est où? C'est en Côte d'Ivoire. C'est où? C'est pas en France, c'est en Côte d'Ivoire. C'est pas quelque chose qu'on peut démonter du jour au lendemain, prendre l'aéroport de la Côte d'Ivoire, envoyer en France. C'est comme ça ils disent. Ah non, le président Ouattara est en train d'endetter la Côte d'Ivoire, mais il construit, il fait des CHU, il fait des routes. Le pays le plus développé au monde. Le pays sur le plan de la démocratie que les gens prennent l'exemple, c'est les États-Unis. C'est le pays le plus endetté au monde. Aujourd'hui, vous avez Google. Au lieu d'aller vous asseoir sur TikTok pour regarder, allez-y, vérifiez sur Google. Le pays le plus endetté au monde. Les grandes puissances aujourd'hui, ce sont les pays les plus endettés. Mais si vous voyez que ces personnes-là, ils sont parvenus à prendre l'argent pour construire leur pays, c'est parce qu'ils sont intelligents, ils ont étudié, ils ont mis des programmes. Mais des militaires, des arrogants, qui ne font que, voilà, une haine. Oui, on a été colonisés, c'est la France qui nous a colonisés. Pourquoi on ne dit pas ces bêtises sur l'Angleterre? Pourquoi on ne dit pas ces bêtises sur les États-Unis? C'est parce que c'est la France qui les a colonisés. Beaucoup de pays ont été colonisés. Les États-Unis colonisés par l'Angleterre. Mais vous n'attendez pas la haine entre ces gens. Le Japon, pareil, bombardé par qui? Les États-Unis. Mais vous n'allez jamais voir des enfants, des petits Japonais. D'abord, ils n'ont pas vécu. Mais les gens sont assis en train d'insulter. Ne cherchent pas à comprendre ce que nous sommes en train de vous dire. Nous, on ne veut même pas que ces putschs-là, ça continue 10 ans, parce que c'est le peuple. Même si on enlève aujourd'hui, même s'ils enlèvent les sanctions contre ces putschistes, dans 2 ans, 3 ans, le peuple encore va tirer le diable par la queue. Parce que c'est des tonneaux vides. Ils n'ont pas de programme. Ce n'est pas des ingénieurs, rien du tout. Des gens des personnes qui doivent les aider, ils sont opposés à ces gens. Comment on va avoir des usines chez nous? Comment nous allons avoir des usines? On n'a même pas de laboratoire dans les écoles. Il faut des partenariats, tout ça. Là. Vous vous rebellez. Mais depuis que vous êtes en partenariat avec la Chine et avec la Russie, regardez la Centrafrique aujourd'hui. Ça fait combien d'années? 10 ans. Vous avez vu quel progrès en Centrafrique? La présence de Wagner. La présence de Wagner. Ils ont apporté quoi? Tout de suite, là, quand la CDAO dit, voilà, nous sommes prêts. Vos petits militaires, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de montrer? Des vieux machins. Des avions de 1970 qu'on vous a donné. Oh non, on nous a aidé. Montez en puissance de l'armée. Et vous êtes incapable de libérer vos territoires aujourd'hui. Vous êtes incapable de libérer vos territoires. Vous avez tous ces avions que vous êtes en train de montrer au monde que non, vous êtes prêts face à la CEDEAO, mais vous n'êtes pas prêts face aux putschistes. C'est que c'est pour vous dire que c'est des incapables. Ils sont prêts face au monde entier parce que les États-Unis soutiennent les États et la CEDEAO. Toutes ces puissances-là, vous vous débambez comme ça, vous vous levez qu'au nom et on est prêt face. Mais vous avez problème dans la maison, vous ne pouvez pas résoudre ça. C'est un problème au Niger que vous allez résoudre. C'est pourquoi nous vous disons, vous êtes des comédiens. Vous êtes des comédiens. Ou Tesheka Foshke, Kumakela Oule, Jusu Baoule, Kamere Baoule. Ou Tesheka Foshke Aounien. Ou Wishigiko Afrique, Libération de l'Afrique. Frafindo ou Meta Dunia Yoro Baby. Mouroshite Cheni Bladola. Ou Wokuma Mifokono, ou Wanga Dukorofen, exploité. Et Tesheki Irekanika Dukorofen, exploité. Et te fauché. Et ma karanke. Et ma fauche donc. Toi, tu n'as rien appris. Tu n'as rien appris. Mais ça sert à quoi de gueuler? Si toi, tu ne peux pas transformer. Si toi, tu ne peux pas transformer ta matière première, ça sert à quoi de gueuler à la France? Nous qui parlons, vous n'allez pas voir quelqu'un qui est en train de soutenir la France. Moi, d'abord, je suis opposé à un bandit, à un légionnaire, Mamadou Doumbouya.
Donc je n'ai même pas de sentiment pour la France. Je ne suis même pas là pour faire cadeau à la France. Mon combat contre ce bandit de Mamadou Doumbouya, qui est un légionnaire, qui est soutenu par qui? Donc je ne sais pas de quoi vous parlez, que moi, je suis là, au lieu de vous mettre dans la victimisation, bidon, c'est de travailler. Si je vous ai fait écouter les vidéos de Félix Houphouët-Boigny, c'est pour que vous appreniez l'histoire. Mais vous êtes là en train de gueuler. Des orgueilleux. Hein? Des orgueilleux. Après, c'est vous. Vous avez le pouvoir de maudire des gens, mais vous n'avez pas le pouvoir de bénir votre propre pays. Sanjité djigi efe. Et tu sais qu'à doua ouke. Allah ka sanjité djigi mfe. Ka au toara nyangboyala. Ko au behere soro. Au behere soro di. Le prophète paix et salut sur lui. Aïra ka fo. Ce que tu ne veux pas pour toi, faut même pas souhaiter pour l'autre. Yano au ka slama ou bishigi ka fo kono. Djama ka here be komina. Allah ka ouke. Non. Parce que Allah le kalon, ce qui est bon, c'est Dieu. Le Tout-Puissant qui sait ce qui est bon. Le musulman doit dire que Dieu fasse ce qui est bon pour nous. Mais venez s'asseoir que vous allez maudire des gens en Côte d'Ivoire. Slama million ebe douaouke. Slama million. Malien million ebe Côte d'Ivoire. Mibe douaouke alasanya. Aouba ou shigi manamana kanfola mourou nyakoro. Naoutou mese kola. Ça est Mali djihadisko nubanao. Naoutou mese. Si vous vous saviez implorer Allah subhanahu wa ta'ala. La crise là, c'est déjà fini. Ça a auto yé heré soro. Mais ka auto faden djouya la. Ka auto nyangboya la. Auto soukou fini me. Aou be heré soro di. On parle seulement, ils insultent les autres. Heré be taou fe. Foy taou alou fe. Aou no ka arrogance. Foy taou fe. Aou ka mouro be boribi. Kata ka djamana ou rukono. Kata Sénégal. Kata Côte d'Ivoire. Ka bo aou ka djamana kono. Ka auto aka djoubaya la. En tout cas, la CEDEAO a intérêt à frapper. Personne n'est contre le Burkina, personne n'est contre le Niger, personne n'est contre le Mali. Tout ce que nous voulons, on veut que ce continent avance. C'est coup d'État unité. On a connu ces coups d'État depuis longtemps. Ça n'a rien apporté. Ce n'est pas des savants. On est d'accord que oui, on nous a colonisés. D'autres ont toujours cette haine en eux. Mais vous n'allez pas manifester ça aujourd'hui pour déstabiliser le continent, pour dire non, à bas. Vous n'avez pas l'art de créer. Vous ne pouvez rien inventer. Si vous avez l'art de créer comme les autres, nous serons les premiers à vous applaudir. Et comme l'a dit le président Félix Houphouët-Boigny, père à son âme. Et là, le combat, ça va être autre chose. Ça ne serait pas les armes, mais plutôt question d'intérêt. Parce que l'uranium du Niger, les autres ne viendront pas exploiter. Ça va être des entreprises du Niger, des Nigériens eux-mêmes. Le cacao de la Côte d'Ivoire, des entreprises ivoiriennes, des Ivoiriens eux-mêmes. L'uranium du Mali ou quoi, ça va être eux. Mais Aouchinibé, en train de gronder, de crier dans le vide, des militaires viennent, ils profitent de vous. Aoukadobo, vous êtes tellement émotionnel. Nous comment faut là? Ah non, ou y'a un djamana, ou y'a un chien. Afrique d'hier et l'Afrique d'aujourd'hui, différence baba là. Djurute, ou te djurakob la mokoshiburu là. Bi ame kol djo. Amangas la ouke. Koumfou ouwe na kini shigi ankouna. Kono, Afrique doit être libre. Liberté c'est quoi? Comme l'a dit Oufoy, un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ka Congo to aoula. Mais Congo me keredi. Franchi le vena ambergre ta kabla aouda kono. C'est la France qui va prendre la nourriture pour mettre dans vos bouches. Vous allez travailler la terre. J'espère que je vais retrouver la vidéo de Félix Houphouët-Boigny. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il s'est mis d'abord l'agriculture. Il a donné d'abord l'exemple lui-même. Il n'a pas attendu les autres. Demandez les Ivoiriens, ils vont vous dire les plantations de Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Mais au Bénin, Chidi, au Tchénéke, au Tchénéke. Tout le problème qu'on a aujourd'hui, même si quelqu'un vient, il achète ta maison, il te donne l'argent, tu es dans de meilleures conditions. Wallah, tu ne vas pas parler. Il va acheter ta maison. Il te donne $1 million aujourd'hui.
Toi, tu as une voiture, tu fais tout dans, dedans. Wallah, il te comment? Ah, tu es fait. Dignité. Tu as faim. Tu parles de quelle dignité? Tu ne veux pas travailler. Vous avez faim. Comment va Aoula? De quelle dignité vous parlez? Franchis les vacances. C'est la France qui vous empêche d'aller travailler. C'est la France qui vous empêche de cultiver. Comment va Aoula? Vous ne buvez. Nous, il y a Dominique Renka Terekono. Non, ça, c'est beaucoup. Aoussignibé, comment va Aoula? Vous, vous êtes libre comme ça d'abord. D'abord, votre corps. Aoua, Aou Farid Tonyon. Aou te barre fait. Yann Aoué Kouma Franchima. Aou te barre fait. Franchika Fotitewe. Naoué est 40 et 67. Franchir était Jo Aounion. Pourquoi les Français ne s'arrêtent pas devant les Chinois? Aoué Franchiko Kouma Mna. Mouna Franchite no Djamana de Ounyabi. Parce que Mouroui est barré les quais. Le Rwanda. Rwanda qui vient. C'est-à-dire, tout le monde a connu la guerre du Rwanda. Mais regardez ces gens-là aujourd'hui. Aou Sinibé, Dabayala, Abba Abba. Abba Abba, quand Aou Sinibé, Mme Kanfola, Aou Béhéré Sorodi, Aou Te Barefe, quand Aou Take Koumabaye. Vous ne voulez pas travailler en... si ce n'est pas pour insulter. On se parle ici entre nous. Moi, je ne parle pas de la France. Mais on veut mourir que de parler de l'intérêt de la France. Alors qu'on fera craigner, il y a Nebe Franchi défendu. Ça y a Mafisani Oya, Nebe Franchi défendu. Mais ce qu'on vous dit, ah il y aurait qu'un comportement, ah qu'on m'a fait. Vous êtes assis, vous êtes fainéants, ah où t'es barré fait. Franchi, qu'en faut-il les Oya? Et tous les présents qui travaillent dans l'intérieur de leur pays, on les insulte. On a insulté des présents ici. Non, ils sont vendus, ils sont. Non. Mais ces pays-là vous dépassent. Ces pays-là vous dépassent sur tous les plans. Sur tous les plans. Tous ces pays-là vous dépassent aujourd'hui. On ne peut plus manipuler les Ivoiriens aujourd'hui. Les Sénégalais, là, vous ne voyez pas l'armée sénégalaise. Ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko. Si c'était encore en Guinée, au Burkina, on va voir encore ces militaires agités, agir au nom du peuple. Ce qui s'est passé au Sénégal, vous avez tous vu. Macky Sall a été élu. Il a déjà dit au peuple sénégalais, il n'est pas candidat. Mais ce qui s'est passé au Sénégal, si c'était dans un pays de putschistes, on allait encore compromettre tout dans ces pays-là. Parce que là-bas, c'est des militaires conscients. Mais des militaires agités. Des militaires profiteurs. Tout le monde a vu Mamadi Doumbouya. Hein? Le président Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, vous avez des CHU ou bien, si vous êtes malade là, ou bien c'est en France, vous partez à l'hôpital. Je veux savoir. Les États-Unis, tout est privatisé ici. Combien de fois le gouvernement, on ferme, mais les gens travaillent. Ici, l'État, on ferme, les gens travaillent. Tout est privatisé ici. Au Baouchigiko, non, ils ont vendu. Au Kaouchigi, au Taoula, non, les autres. Nous, les autres ont vendu. Mais aujourd'hui, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Côte d'Ivoire qui est vendu là. Malien, mais Côte d'Ivoire, au Kachia. Au Tédunia Hiroshi. Burkinabé, mais Côte d'Ivoire, au Tédunia Hiroshi. Guinée, mais Côte d'Ivoire, au Tédunia Hiroshi. Pourtant, c'est des pays putschistes. Vous qui dites que non, non, non. C'est des pays vendus. Et ils sont vendus. Malgré que vous dites que c'est vendu. Mais aujourd'hui, là, vos ressortissants, là, ils vont là-bas en grand nombre. Ils ne vont pas au Bénin. Au Baouchigi, Manamanakanfola, Moro, Nyakoro. Mais regardez le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, c'est encore devenu quelque chose pour retarder encore le développement de l'Afrique. Confine des gens qui n'ont même pas étudié. Des irréfléchis avec la vidéomane. Tu les vois même parler dans des langues, ils ne comprennent même pas le français. Développement de Nyakan, ou t'as fauche carrément. Le budget même de leur pays, ils ne connaissent même pas. C'est eux qui sont sur les réseaux. Voilà, parce que la majorité de nos peuples, c'est les illettrés. Oubishigi, quelqu'un m'a dit qu'il a franchi, ante franchi fait, ou yantoro, ou yaketa, nanani nanana, ou ba assou soupe fort, il n'y a rien de clair dedans. Oubishigi m'a dit qu'il a. C'est pourquoi j'ai dit les réseaux sociaux, là, ça va encore détruire, ça va encore mettre l'Afrique en retard. Une jeunesse excitée. Regardez aujourd'hui, combien de fois ils vont se jeter en Méditerranée. Franchis les Bokia. Aouko, vous avez demandé d'être libre. Avant, on vous menottait. Vous envoyez en Occident.
aux États-Unis ici. On ne fait plus ça. On ne fait plus ça. On a mis fin à la traite des Noirs. Fin à l'esclavage. Certaines exploitations. Au fur et à mesure qu'on avance, les choses changent. Vous pensez quand on dit qu'il y a crise mondiale, c'est quoi? Il n'y a pas de magie dedans. Quand les pays du Sud se développent, oui, il y a crise dans ces pays occidentaux, là, c'est comme ça. Les usines qui fabriquaient pour le monde, si c'est en Chine, si c'est en Afrique du Sud, ben c'est ce qui rend crise dans leur pays. Et c'est ce que Oufoué avait prédit. Au lieu de vous mettre au travail, pour changer la donne, d'être jaloux, que non, vous êtes fort, qu'on doit s'assumer. L'orgueilleux ne gagne jamais. Le patient, le réfléchi gagne toujours. Mais vous êtes que des orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. Quelqu'un qui est orgueilleux, là. C'est-à-dire, tu perds la patience, tu perds tout. Vous n'aimez pas la vérité. Il ne s'agit pas de venir dire, abat la France. Tu gagnes quoi dedans? Vous pouvez transformer vos matières chez vous? Non. Vous devez aller encore chercher. Vous former. Vous allez vous former où? Au Togo? Non, ça fout là, j'ai dit le nom de Togo par accident. Vous allez vous former au Niger. Il y a une école au Niger qui va vous permettre de pouvoir transformer vos matières premières. Non. Vous allez encore partir chez les autres. La Russie peut vous aider, qu'il vous aide. Les armes, nous ne voulons pas. La présence de Wagner sur le continent, nous ne voulons pas. Hein? Les Kémy Séba, là, qui vous parlent tout le temps, c'est des paroles. Ce n'est pas des savants, ce n'est pas des ingénieurs pour changer la donne. Parler là, on peut le faire tous. En te franchissant, avec Mouké, on va chanter ça 1000 fois, ça ne va rien changer. Mais qu'est-ce qu'on fait comme remède pour changer cela? On ne parle pas de ça. La haine là, de dire ils nous ont mis en retard, c'est facile. Ça contamine vite. Mais que de transformer nos sociétés. Le temps de motiver la jeunesse, le temps vraiment de créer des conditions. Là, vous n'avez pas le temps. Là. Mais la haine, c'est facile. De dire, c'est eux qui nous ont mis en retard. On le sait. Nous le savions depuis longtemps. Les autres ont été colonisés aussi, d'autres nations. Ils ont mis ça derrière pour faire du sérieux. Pour ne pas qu'on te commande sur quelque chose. Il faut apprendre d'abord. Il faut connaître. Même l'aiguille, on importe. Mais au Tehangri Daouma, je vous ai dit, tous ceux qui vous, nous qui venons parler là, on n'est pas contre vos bruits. C'est-à-dire vos bruits là, c'est de vous calmer, de faire du sérieux. C'est tout ce qu'on vous dit. Est-ce que vous m'avez une fois vu ici? Vive la France! Je vous ai dit, si je le fais, je préfère mourir. Sayakaf Sanaï, je préfère mourir. Mais c'est pour vous dire que de faire du sérieux, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Marcel Kabore, toi tu me dis vilain garçon, il a un chapeau bas en même temps. Faut bien regarder, hein. Faut bien me regarder. Voilà. Je descends au Burkina tout de suite là. C'est les filles de Ouaga qui vont courir derrière le général 5 étoiles. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, au lieu d'être orgueilleux, laissez l'orgueil. Vous avez tous vu Thomas Sankara. Vous avez tous vu Thomas Sankara. Il avait des bonnes idées. Lui, il est en train de construire des écoles et autres là. Il faut tirer les leçons de Thomas Sankara. L'orgueil là. Lui-même, vous avez vu une de ses vidéos où il dit, il se sent seul, il est en train de monter une panthérelle. Voilà. Donc tout ça là, ça doit vous donner. Vous, il ne faut pas répéter les erreurs des anciens là. Qu'est-ce que vous devez faire pour que vos pays avancent? C'est ce qu'on vous dit. Mais vous ne comprenez pas, vous pensez que l'arrogance, là, ça va continuer, ça va donner quelque chose. Ça ne va rien vous donner. Ça ne va rien vous donner. Rien. Donc, franchement, nous encourageons la décision de la CEDEAO, la feuille de route de la CEDEAO. Actuellement, à Niamey, il y a une délégation de la CEDEAO qui se trouve là-bas. Et ils doivent rentrer demain sur le Nigeria. Et à partir de là-bas, demain, ils vont donner la décision finale à prendre, c'est demain. Parce qu'ils ont envoyé, les États-Unis ont demandé, les pays limitrophes, ils ont demandé à la CEDEAO d'aller
dans le sens du dialogue. Et ils ont envoyé cette délégation, ils ont été reçus par les putschistes aujourd'hui. Bon, nous attendons le résultat final. Ce que ça va nous donner, nous attendons. En tout cas, la CEDEAO, c'est l'organisation des responsables. Voilà. Si on résolue le problème à l'amiable, nous, c'est tout ce qu'on veut. On ne veut même pas que le peuple du Niger souffre. Mais si les bandits putschistes, comment des gens vont se lever du jour au lendemain parce qu'ils ont les armes, comment ils vont prendre le pouvoir avec des slogans bidons? Ils ne peuvent pas développer leur pays. Parce que oui, tel a colonisé notre pays, on va se lever, on fait des coups d'État. Vous voulez que nos pays là deviennent comment? Nous ne voulons pas qu'on agresse le Niger, mais que ces militaires arrogants mettent fin à leur folie. Vous avez tous vu Mamadi Doumbouya au départ. Pourquoi vous ne parlez plus de Mamadi Doumbouya? Ça doit vous servir de leçon. Matin, midi, soir, vous étiez en train de parler du bandit de Conakry. Mais aujourd'hui, pourquoi personne ne parle du bandit de Conakry? Vous avez compris que non, c'est un légionnaire. Il est soutenu par les mêmes personnes que vous combattez. Mais vos militaires, là, pour ne pas aller sur la voie de Mamadi Doumbouya, voilà tout ce que vous voulez entendre, là. Vos putschistes, là, c'est ce qu'on vous fait entendre. Voilà, on doit se libérer, notre souveraineté. De conneries. Les gens ont faim. Vous ne faites rien sur le plan de l'agriculture. Les gens ont faim. Vous ne donnez rien. Vous partez quémander la Russie, qu'on des blés. Pour qui? Vous n'avez pas honte? Vous changez de maître. On ne veut pas la France. Vous partez quémander en Russie. Vous n'avez pas honte? Donc, bravo la CEDEAO. Trop, c'est trop. Il faut mettre fin à ce coup d'État voyou sur le continent, en Afrique de l'Ouest. Il faut mettre fin à ce coup d'État. Tantôt, on dit non, la CEDEAO est faible. Moi qui vous parle, vous savez que je suis un fervent défenseur du président Alpha Condé qui a été victime de l'un de ces putschistes-là. Mais ce n'est pas parce que la CEDEAO n'a pas agi en Guinée que moi, je vais dire non, 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 cette CEDEAO est... Nanani, nanana, non, 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 je ne le ferai pas. Ce n'est pas parce que la CEDEAO n'a pas agi en Guinée qu'aujourd'hui, là, je vais dire non, il ne doit pas agir. Non, il faut que ça commence maintenant, là. Il faut mettre fin à ces bandits, c'est-à-dire à la folie de ces bandits-là dès maintenant. Demain, il n'y aura plus de coup d'État. C'est-à-dire celui qui va se lever, il va dire, ah, la CEDEAO est là. Ce n'est pas parce que moi, mon président a été invincé par les putschistes. Voilà, la CEDEAO n'a pas agi. Je dois venir contre la CEDEAO. Non, cette organisation, c'est nous qui devons changer cette CEDEAO. Ces vieux-là vont partir. Voilà, il aura toujours du relais. Au lieu de dire bravo la Russie, les drapeaux russes, là, vous n'avez même pas honte, parce que la majorité n'ont pas étudié le sens même de brandir le drapeau russe sur vos territoires. C'est que vous n'êtes pas digne, vous n'êtes pas libre. Mais comme leurs communicants, ceux qui viennent s'asseoir à Bébékouma, nous, on va faire Bambarakana, on va faire Mouré, quand on s'y a qu'il y a un peu de temps, on va faire un peu de temps, on Et tu sais qu'à Fosque, et le Jusubayake, et Ramuru Toron Baby, Aoutake Neni. Nous, on ne va pas vous insulter. Hein. Si vous êtes fâché, partez en Côte d'Ivoire, vous allez manger la Tchéké. Si vous êtes fâché, vous partez au Sénégal, vous allez manger Tchep. Voilà. Si vous êtes fâché aussi, allez-y en Guinée. Parce que Mamadi Doumbouya, bon, lui, il est en train de tout gâter. Sinon, actuellement, la nourriture était en abondance en Guinée. Deuxième producteur de riz, après le Nigeria. Aussi, coup d'État, Poutis, Diamana, Fouita, Aouboro, Temi. Si ce n'est pas promotion, T. Asura, T. Flecha, T. Barou, T. Hein? Demain même, on va avoir T. Ibrahim, ou bien T. Asimi Goïta. Aussi, Nibé. Aouté, 40 publicités, Kéré. 40, l'école, c'est la clé de tout. Scientifique, et 40 Kéré. Biologiste, Ewe Karaneke. Ewe Sheka Fani Dine, Ewe Karaneke. Imam, Ewe Karaneke. Karaneke Fembenye. Aoka Puchisu, Ewe Mulfa Kokumalila. Puissance à monter de l'armée. Ewe Russie, Ewe Mulfa Dama, Amena développé. Ka auto, Hankri Doya, Kuma Suya Mulula. Awa Djamana, Ewe développé. Karan. L'éducation, c'est la clé de tout. Pensez que, votre orgueil. Hein? Aoute Tien Fe. Aoute Tien Fe. En tout cas, nous, on dit vive la CEDEAO. Vive la CEDEAO et la CEDEAO doit changer comme Amafé Nyamga.
si on finit avec le Niger, là, c'est-à-dire les pays putschistes, là, partout où il y a les djihadistes, là, c'est pour dire à la CEDEAO, s'il y a une force pour déloger les putschistes, c'est qu'il doit avoir une force aussi pour déloger les djihadistes, pour libérer nos pays. Voilà. Djama et Mouromissili, Aoubenichigi, Bandia, la Tekoka Oboué. Voilà, on dit encore, il y a Tébaro. C'est-à-dire, jeunesse malienne, jeunesse burkinabé, jeunesse guinéenne, jeunesse du Niger, votre problème, c'est vous-même. Aoubenichigi, Nibéo, Aoubenichigi, Sénéke, Franchika, Fautiteo, Aoubenichigi, Ouyeseke, Wallahi, Ouyanga, Djamana, est libéré. Facebook, TikTok, Naoumata, Kamourou, éduqué, ka courage d'ouma, ka bareke, mouro minou be sene kebi, ka ou nou publicité mouro bere ouma. On perdit la quoi. Parce que, neni be yoro yoro, ibe frafin de ou. Ou bou chiginiye, publicité inutile. Ou te anga djamana développé. Les pays développés là, ou te manamana koshuya ou luye. Kamere tan, siginiye yoro kere na koube te mina. Week-end ou ba ke ou le la. Quand ils finissent de travailler, du lundi au vendredi, les week-ends sont libres. Ou bien ta plage d'ala, ou bien kouke. Ou bien ta café la, kafko ou ka ballon fle. Mais on te barre fait. Donc, mouro chite ou ke. Militaire mounou va souchoufo. En la liberté ni fion, a bébé. Aou yere bese ka, aou yere libéré. Ni kongo bile, tu n'es pas libre. Ni ema bo kata barre ke. Comment tu vas être libre? Et kono, kongo bile là. Est-ce que tu es libre? Ni mouro douya fulene. Aketa, aketa, fuiwa keli. Parce que fou eti emouro. C'est ça la règle. C'est ce que vous ne comprenez pas avec nos pays là. Fente Ebro. Et c'est ce qu'ils signent. Mais il faut qu'on vous impose les règles. Mais si les gens ne veulent pas travailler, pour être libre, ni ébarré là tout de suite, tu as 1000 francs CFA. Tu vas manger partout où tu veux. Mourochi tafouille, va manger sur l'autre. Ou bien Moro, Warite Ebro, Moro veut dominer. Même si ce n'est pas le plat que tu veux, tu es obligé de manger. Awa, c'est pareil avec nos dirigeants. Ils n'ont, c'est des gens qui ne créent pas. Ou tes solutions n'y ou tes au blas la coca. Au diana comment, ou bien le foie au yen. Mais au keko, ou tes au foie, ou tes au ka au yen. Au chignibéola, m'robe au foie yen, ou bien ba au la. Ça c'est entre nous. Les autres n'ont rien à voir dedans. Si vous voulez faire du sérieux, faites du sérieux. Mais arrêtez à un moment donné de crier l'énergie là. Transformez ça en autre chose. Pour qu'en a de manaka dia. Ni domine douma be mali la bi, bebe taka. Ni moro mota la Côte d'Ivoire bi, bébé pressé ka djuma dom, keke. Ni moro mota la Sénégal bi, moro ou be pressé ka djuma dom Sénégal, tchep djen. Ni moro ou tunta la Mali la djuma tombe dom dibi, au dibi ou emini bi, avec le coup d'état la, sobo ereteye, nyala Bamako bi. Poulet, si c'est le tombe dom fana, Burkina, anifeng bareo, mais bi, alu to yere, ou teye Burkina bi, au chigneme, au te barefe. Les enfants, vous avez tous, vider les villages. Hein? Les capitales maintenant c'est rempli. Le banditisme aujourd'hui dans nos capitales. Moro te fait kabareke. Au village là-bas, ils ont tous fui les villages. Ils sont remplis dans les capitales. Barreté. Mais barreté, yorom na abebe bourla kaboy. Mais n'a ma courage dit Moro ma kabareke kasaneke. Awa ou shigiko na ko français. Tora ma ko ka moro chitao. Aou yere kanne. Moro chitena na ka transformer. C'est nous-mêmes. Ou tena. Ils ne vont pas prendre le bonheur chez eux pour nous envoyer. C'est nous qui devons transformer chez nous. C'est nous qui devons créer. C'est nous. L'intérêt là, c'est chez nous. Ou t'es là, ta kananaï. Mais où t'es où le fait? Ni m'roya, faut qu'on voit que banenioko parce que, qu'on a ceux qui sont en train de mener un combat stérile, qu'on ne doit pas les critiquer. Non. C'est des combats stériles. Faut estar là. Faut dire ça. Où t'es fait chini ou bien comme Thomas Sankara. En t'es où fait? Donc, merci à tout le monde. Chaka Djabatier, merci à vous. Merci à Seydou Koulibaly. Merci à Salaboud Aliou Dek Boussoura, merci à vous. Kamangate Kassim, merci à vous. Boka Damfaka, merci à vous. Merci à Amidou Kaya, merci à vous. Voici des gens que la France préfère vous payer. Il faut demander où moi je suis. Je suis aux États-Unis. Je vous ai dit, moi je suis contre un putschiste. Soutenu par qui? Par la puissance dont vous parlez là. Moi, je vous ai dit, je préfère mourir que soutenir ces gens-là. Mais le problème, c'est nous-mêmes. Nous devons réfléchir. Comment développer notre continent? Comment motiver les gens? Mais au lieu de passer tout votre temps en train de gueuler, ça vous apporte quoi? Rien. Vos matières premières là ne vont pas se transformer avec vos salives.
Vous devez étudier, vous devez apprendre. Vous n'allez pas lutter contre la faim si vous ne produisez rien. Nous, c'est ce qu'on vous dit. On ne dit rien de grave. Mais comme vous ne comprenez pas, vous êtes animé que par la haine. Vous ne voyez même pas la vérité. Continuez vos bêtises. Nous, ça ne nous dit absolument rien. L'éducation que moi j'ai reçue, je ne vais pas insulter quelqu'un. Mais ce que j'ai envie de dire, personne ne va m'empêcher de le dire. Jeunesse TikTok, jeunesse café, c'est tout ce que vous savez faire. Allez vous asseoir dans les cafés. Bavardage. Messi. Non, le transfert de Niema. Quand Oshiginito, Niema a transféré qu'elle a. Il y a transféré. Quand il y a un transféré, il y a un que Oshiginito, Niema a Kumala. Il y a un transféré. Il y a Merci à Kassim Kamara, Amelia Kabakabasila, merci à vous, Traoré Bafo, voilà, Abdul Malik Amadou, ka auto jamana bere dangala, auto here soro, parce que eko kite here fe tau fe, Allah ka deng lebe, misri ou lebe jamana okono, au be fe jamana okatien, voilà, auto here soro, parce que Allah here ba fokono, e miria main, ete here fe tau fe. Ala les bedans quand on y roma demain nati ebro eka di doma alu mo c'est à dire na kan ngana kuma djugu fo quoi parce que des fois ni a commentaire quoi ni ko kibe kuma e be blam ko berbere ou la quoi ça dit c'est des gens irréfléchibles des bidons au du sukun fini ko ala ba ka onye mo ko ba fo ko ala ka ka anye am benye me ka auto miria djuguna wallahi ati Zap le créateur d'attitude, merci à vous. Merci Alpha Barry. Merci à Nina Kwape Thio, merci à vous. Amidou. En tout cas, Jean Lapéché, la France n'a pas arrêté quelqu'un de se développer. C'est nous-mêmes. Tu veux travailler, il y a le résultat. Wallahi. Ni ou de kata bareke a kake bare susu, wallah ibe daskirin soro, ibe fendu soro. Mais frafinde ou an shikini be ante bareke. Mgo wishigi, kono kwa shikini beta. Ngolo soro, ko depuis Korogo. Ngalo Korogo, kurama ou koka. A foko merci, Alassane Ouattara. Bon, puchisu ou ka jamana frère, foite. Korogo miyere ma donne, me puchis jamana la. Tu arrives à Korogo aujourd'hui. La dernière fois, quand j'ai vu photo de Korogo, mais j'ai dit maintenant. Bangwa tu me poussière tu me kè kamro makosa me bi korogo ka ou be fani gbalodo ay sabari akata tour kerenke ale puti sou fè ka ou to la monnaie au signebe kere kuntana. Merci mon frère Malik Arachi, merci Amido, non inchallah. Jean-Philippe Hamilton, merci mon frère, merci à Amediba, merci à vous. Sissé Beko Kalilo Sissé, merci à vous. Adama Djara, on est ensemble. Mao Soumaoro, merci. Merci à tous les Panafricains. Abaka Dozo, merci à vous. On est ensemble. Merci à mon frère. Le combat continue, les gars. On est ensemble. Pas de recul. Lansine Kaba, Ismaël Sal, merci. Bonne soirée à vous. Alassane Sangaré. Et on se reprend sur le dossier de la Guinée.